des asticots vivants, des asticots morts noyés, du maïs. Alors j'aime bien utiliser le maïs parce que c'est une hache assez voyante et très lourde qui va rester sur le fond. Quelques dendros que je peux couper ou écher entièrement, ça fait une belle hache qu'on pêche en rivière. Et donc mon bac avec mon amorce et un petit bac d'eau pour m'essuyer les mains.